Mes amis, Goumen entre Rikos ak Drake lan pour l'autre dimension. Vous connaissez déjà, malheureusement, les gens qui ont été Rikos ont ronflé dans le bâton. Il n'y a pas qu'un pile de monde qui n'a pas ta doué. Parce que Rikos t'a supposé gagner un pile agent sécurité pour défendre face à une telle situation. Rikos t'a connu dans qui zone que t'a pralé son zone à n'importe quel moment, bah, elle a qu'à dégénérer parce que il t'a pralé dans fief Drake. Youn nan côté que fanatique Drake yo pas joué même nèg sa ou pirette passé chinois yo yo pas négocié artiste même mais Rikos kon sa le fait bien il te vle lever un défi mais malheureusement bagay la mal passé qui ça fait nèg yo kembe Rikos yo bat li comme ça pour qui ça c'est Rikos on va l'expliquer qui ça qui gagne entre Rikos et Drake et qui côté bagay la sorti qui ça Rikos te fait nan moment d'ab jouer qui la cause nèg yo prend là yo gonfler artiste là en babaton. Malheureusement, dans le match Argentine-Canada, Drake perdu $300,000 parce que monsieur était parié que Canada bat Argentine 2-0. En tout cas, Drake, Walford, si vous pensez que Canada bat Argentine comme ça, Walford. De toute façon, comme ça, on n'a pas de problème pour lui, mais non, l'autre match, dans la finale, là, on va parier différemment. Et conseil pour vous. Bon, on a regardé qui ça exactement qui existait entre Drake à Rikos, pour qui ça y bat Rikos dans le niveau ça? Qui ça Drake lui-même dit dans ça? Et qui ça Rikos dit parce que monsieur réagit sous dossier? Qui t'aime féliciter Joel le Slammer qui lui-même gagne $200. Chaque mois, n'a choisi deux gagnants sous Facebook et sous YouTube. Objectif là, c'est arriver à une valeur de $5,000 pour chaque gagnant. Yo. Mais nous faisons chaque mois. Nous choisissons de manière aléatoire. Nous n'avons regardé dans les commentaires, les gens qui toujours réagissent, qui toujours supportent le travail, et puis nous choisissons. Ça veut dire que c'est facile ou même pour ces gagnants seulement assurer que vous êtes connecté à Question Dollar sur YouTube et sur Facebook. Vous toujours répondre aux questions, nous participer dans les jouets que nous faisons, et puis vous gagnez. Bon, à $5,000 ça. Qui soit à favelle, c'était ou même. Si c'est ou même qui gagne. Franchement, mesdames, c'est ou même qui a regardé là, qui gagne. Objectif là, c'est faire plus de monde content que possible. Quel que soit pays où il y a ou qui a participé, parce que c'est l'argent qui a traversé n'importe côté pour lui jouer nous. Moi, mon pile, et me conscient que ou toujours là pour supporter le travail. C'est ça qui fait me décider pour mettre la joie dans le cœur par tous les moyens. Parce que vous supportez et puis remis que c'est l'OLM décide de faire un gros cadeau gratis, chéri. Nous tout connaissons pas de plus belle bagaille parce que ça, là où vous connaissez plusieurs millions de monde qui ont un business ou qui ont une qualité de produit que vous vendez. Eh bien, vous décidez de faire publicité pour business ou gratis, chéri, pendant une période de temps pour me assurer que je remets tout l'amour ça, que vous toujours ben moins sans réserve. Pour cela, m'a invité au rempli forme ça que vous avez dans la description vidéo pour participer dans la campagne publicité gratuite ça pour plusieurs millions de monde qui ont business. Et si vous pas ta jeune forme là, rentrez en contact avec moi directement dans l'email ça. Bon, par contre, mais vous voulez aider, vous voulez participer dans le développement business ou nan mener plus clients dans business ou et aider au faire succès que vous cherchez depuis longtemps. Rempli forme ou bien entrer en contact avec ma bédo. Bonjour, bonsoir internet, comment vous êtes? Moi c'est Kesnel Dollier, c'est un plaisir pour m'informer. Drake, Kendrick Lamar, Rikos. On garde trois points pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a un duel qui existait entre Kendrick Lamar avec Drake. C'est un duel qui n'est pas petit du tout. Mais c'est un duel qui est évident que Kendrick Lamar a gagné. Pour qui ça? Parce que musique, Not Like Us, là, il dépassait le record que la musique Drake est toujours qu'elle soit sur Spotify ou bien sur toute l'autre plateforme. Yo. Donc, Kendrick Lamar a gagné la bataille. Là. Ça n'a pas empêché qu'on connaisse Drake lui-même, son équipe extrêmement puissant dans la question rap. Là. Malgré Drake pas américain, mais monsieur qui est un bel rappeur américain, il bat beaucoup. Ça, c'est un autre dossier. Malgré l'attaque toujours mauvais, Rikos lui-même est sorti en musique. Il était frappé Drake dans la musique. Là. Mais Drake te répond ni tout. Drake te ballon on frappe. Le nec sa bay frappe, c'est des frappes mauvais. Mais Drake pas prêté sur Rikos trop. Il était plus vle focus sur Kendrick Lamar. Mais nous connaissons comment va la passer. Et malheureusement, plusieurs
gros événement arrivé dernièrement, mon entrée la caille Drake là, font paquet de dégâts, paquet de causés, bagaille ça a été même pensé, c'est à cause du duel ligué avec Kendrick Lamar. Ça sont l'autre dossier parce que bah ça il y a une situation sensible, la police a enquêté etc. Maintenant, Ricos lui-même dernièrement, mais Ricos toujours montré que lui-même, lui c'est Kendrick Lamar. Mais il va d'abord Drake là lui-même, d'ailleurs toujours à frapper Drake. Dernièrement, monsieur a joué au Canada dans Vancouver. Vancouver son zone anglophone, mais par contre, moun sa yo rime Drake en pile malgré Drake lui-même sorti Ottawa. Groupe moun sa yo rele Drake Goons, mes amis. Ça va même ka comparer à chinois parce que yo même yo prêt pour yo défendre artiste même devant Satan. Même dans l'enfer yo rive a défendre Drake, yo pas dans jouet dans ça. Pendant Ricos a joué, mais Ricos connaît bien l'ital pour emmener dans du fait. Pourquoi ça fait ça? Parce que monsieur devait lever des filles même pour montrer Drake. Hey, moi même quand débarqué, vin la caille ou vin jouer bien tranquille et rien va arriver. Et pour l'augmenter ça, c'était comme ça pas jamais, il jouait musique Kendrick Lamar là qui c'est Not Like Us. Là fanatique Drake qui a dédoublé. Il a dit Ricos, vous dépassez limite. Vous devez jouer, nous pas de problème avant. Ou jouer sans problème, mais là, ou quitter l'île, ou pour l'autre côté. Nous allons sortir de là, déblouser et péter. Nous allons passer un pile coup de poing, un pile patasouel. Et c'est là, un pile mon a demandé, mais au final, qui côté sécurité artiste, nous connaissons son équipe pile l'argent et son équipe extrêmement populaire. Tout. Pour qui ça, monsieur, pas de sécurité ensemble avec elle, dans un moment qui vous a défendu devant toute frappe. Ça. Bon, ça, c'est l'autre dossier. Nègyo, fin bat, monsieur bien bat. Bah, elle a fini, monsieur allé. Mais qu'on y a, monsieur réagi. Monsieur dit, yon bat bat li, yon bat bat coup de prix. Malgré nan vidéo, nous avons remarqué comment Nègyo t'a pas traité artiste là. Mais lui même, il dit, yon bat bat coup de prix. Mais il dit, t'es qu'on gros discussion qui t'es éclaté lui même avec fanatique. Tu es qu'on, gros bruit, t'as joué parler bien fort. Il dit, yon te voye un verre sur lui. C'est ça, il dit. Mais lui même, j'en parle, hein. Il montrait que les plus ou moins minimisé par la pas mal trop importance parce que ça donc pour lui-même ça arrivait à pas si grave que ça mais mon cap analysé il voit que bagarre là il grave parce que en pile l'autre bagarre était arrivé dans un moment où tu as l'impression que Ricos pas de défense du tout monsieur gros il va vous comprendre nous n'est comme ça pas qu'à prendre goût dans foule pas aucune possibilité il gol pas qu'à courir. Et, à moins qu'elle tape, il la gécole sur un monde, et puis tout fait ça, la gécole sur l'IA. Ça, c'est l'autre dossier. Drake lui-même, pas parler directement de sa privée Ricos là. En bon intelligent, ou même tout, pas d'après le parler. Mais sauf que, monsieur like yon poste qui parlait de dossier. Intelligent. Il va venir directement, mais indirectement le montrer, mon cher. Quand on est venu là, son principe ou pas démérité. C'est pour comme ça, Drake lui-même devrait montrer Ricos les likes, posts qui en parlent de ça. Pour une idée, tout post sur Instagram ou bien n'importe côté, si yon artiste ou bien yon gros joueur like li, li gon impact, c'est un coup moun sa te campé devant caméra devant vidéo. Parce que de pour like, c'est Edou di ou approuvé ou remet sa fête là. Si le refait encore, il va déranger. C'est ça, vous voulez dire, c'est ça, like là, vous voulez dire, soit, ou remel, vous mettez refaire encore. Donc, indirectement, Drake voulait dire, si vous avez barré quoi, son lot plus bâton encore, rien va vous déranger, vous mettez passer, monsieur, Drake, pas ta souhait. Mais, nous connaissons bien, la question duel qui existe dans l'affaire rap, c'est pas tibar qui petit, même, c'est pas qui habitué mener l'amour, c'est pas qui habitué mener gros catastrophe. De toute façon, nous tous souhaitons que duel ça a l'irrité entre Ricos. Drake Lamar arrêté dans la musique, mais bah elle a pas arrivé à frapper parce que, et pas ça nous voulait. Nous même c'est belle musique, nous besoin d'aider, c'est enjoy, nous besoin enjoy. Drake c'est une année qui toujours parié dans la question football avec l'autre bagaille. Elle a parié, il n'a pas parié petit casse-cop. Non, il parié gros l'argent. 300 000 dollars, c'est quantité ça, il était parié dans le match Argentine-Canada, il parié que Canada a battu Argentine. Bon. Évidemment, Drake c'est Canadien, la supporte l'équipe. Li. Si ça t'arrive, il t'a fait un bon lot. Mais malheureusement, ça va arriver. Drake perdu 300 000 dollars. Bon, peut-être la récupérer dans la finale là. S'il bien parié, en tout temps. Pour la finale là, qui est-ce que vous pensez qu'il a remporté la maillot là d'après vous-même? Pas la même. Si
Drake ak Rick Ross, Kendrick Lamar continue dans duel là comme ça Jean Bagay là la prend l'autre dimension parce que pas jamais connait ça qui arrivé le Drake lui même li a performé ou bien les Kendrick Lamar a performé si Bagay là continue comme ça ka grand pile monde qui perdu la vie parce que là il prend l'autre dimension mais si toutefois nèg yo réussi fait fanatique yo comprendre que Bagay là pas doit arriver dans frapper pas doit arriver dans aucun autre niveau et c'est là le dia. Parce que Drake lui-même pas réagi du tout pour demander fanatique lui hey font poser nous pas besoin d'un coup mais il va dire hein mais au contraire les clips les likes sont à dire là c'est sûr et certain bagaille ça il va continuer fête et là mauvais signe Drake Kendrick Lamar Rick Ross qui est au même au pire main